Beaucoup d'entre nous ne prenons pas la vie comme elle est. Pourtant, la vie, elle est ce qu'il y a. En fait, il n'y a rien de spécial, de surnaturel, de miracle. En fait, il n'y a pas quelque chose qui est mystérieux, qui peut arriver comme étant un miracle, une vérité qui nous sera révélée. Ça n'existe pas, tout ça. Tout est là, maintenant. Mais nous cherchons, parce que nous ne sommes pas clairs, nos esprits ne sont pas dans la clarté, alors nous cherchons quelque chose avec un regard qui ne voit pas. Nous avons une vision qui est obstruée par le fait que nous ne voyons pas les choses clairement. Donc nous voyons que ce que nous avons appris, ce que nous voulons faire, ce que nous aimerions avoir, et tout ça, nous poursuivons tout ça, et c'est ce que nous voyons. Nous voyons en fait pas très loin. Nous voyons pas plus loin que ce que l'on veut. Mais ce qu'il y a, en fait, ça nous fait peur. Donc on dit que c'est un mystère. On dit que c'est quelque chose qui est inconnu. On ne veut pas le rencontrer. Donc on préfère se camper sur notre petite zone de confort qu'on a établie. Et le problème avec ça, c'est que nous ne sommes jamais libres. Nous ne sommes pas libres de voir. Parce que nous voyons seulement ce que nous voulons voir, ce que nous désirons voir. Et ce qu'il y a à voir est ignoré. Parce que toute ta vie, c'est ce qu'on t'a expliqué. Comment tu dois regarder la vie avec ta réussite, avec tout ce que tu as pu comprendre, les conclusions que tu as faites. Et tout ça, c'est la vie que tu dois mettre en œuvre. Tu dois te faire valoir à travers tout ce que tu as compris. Mais en fait, ce que tu es là à ce moment n'est que quelque chose qui a été stagné, un truc figé qui est resté dans le passé. Le passé a fait une photo et tu es cette photo du passé qui fait valoir le passé, qui fait valoir ce qui a été. Et tout ce qu'il y a dans notre société, ce sont des choses qu'on a répétées pour faire exister ce qu'il y a aujourd'hui devant nous. Nous avons tous répété les choses comme elles devraient être. Mais il n'y a rien de neuf. Le neuf peut se trouver seulement dans l'esprit de celui qui laisse tomber ce qu'il connaît, ce qu'il a appris, ce qu'il a pu emmagasiner, ce qu'il a pu s'attacher avec. À partir du moment où tu t'attaches avec tout ce que tu connais, eh bien, tu ne fais plus la découverte de ce qu'il y a, ce qui existe. C'est-à-dire cette grandeur, cette vérité, et tu vas t'apercevoir que quand tu vas voir tout ça, il n'y a rien de mystérieux. Tout est là, tout est présent, avec un fait terrible, où ce que la pensée peut te dire dessus, ce sera un mensonge. Les faits ne peuvent pas te mentir, c'est là. Mais la pensée te ment pour te dire qu'il devrait y avoir ça, il devrait être gentil, il ne devrait pas faire ça. Donc, en fait, on ne voit pas les gens ni la vie que nous avons comme elle est. La vie se déclare, la vie c'est quelque chose qui se propage dans la vie, dans les moments présents. Et ça, si tu ne l'accueilles pas, eh ben, tu ne vas pas la voir, tu ne vas pas l'accueillir, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que c'est. Puisque ce que tu es empêche cette vision d'être présente, la vision de ce qu'il y a. Et le monde est fait de ce que nous pensons devoir mettre en place. C'est pour ça que ce monde est la monotonie, l'habitude, les trains-trains que l'on cultive. Et on veut encore et encore et plus, en,
plus de cette sécurité que nous avons acquise et on veut faire en sorte que ça perdure. On le fait perdurer dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Si on meurt, eh bien, on les a donnés déjà à nos enfants et les enfants ils vont le répéter. Nous n'avons pas changé d'un seul iota. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris qu'est-ce que c'est la joie de vivre, la joie d'être libre, la joie d'être présent avec la vie qu'il y a. Donc nous cherchons une vie qu'on idéalise et on va poursuivre ça. Et quand tu poursuis ça, eh bien, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves, à la fin de tout ça, tu trouves ton désir, mais pas la réalité. La réalité, elle est derrière tout ce que tu es en train de chercher. Et quand tu cherches, eh bien, tu as déjà en tête ce que tu vas trouver. Donc tu cherches quelque chose que tu connais. Alors qu'il s'agit là de trouver ce que la vie, elle est vraiment, en te débarrassant de tout ce qui t'empêche de voir. Et c'est ça notre grand souci, c'est que nous n'avons pas cet élan pour pouvoir investir, enquêter sur ce qui nous empêche de voir. Nous avons eu l'habitude de vivre comme ça, et en fait, tout le monde s'accommode. On est malheureux, on est frustré, et on n'a pas la joie de vivre, mais on dit que peut-être un jour, on aura. Donc on s'habitue de notre sort. La vie compulsive que nous avons, elle se perpétue de la même manière. Parce que nous voulons toujours quelque chose qui va nous réconforter à chaque fois. Mais rien ne peut te réconforter, parce que c'est de l'illusion. La seule chose qui peut te donner toute ta vertu, ton espace, c'est de voir la vie comme elle est. Parce que c'est ce que tu es. Tu es cette vie. Et cette vie, elle coule à travers chacun d'entre nous. Et c'est l'expression de cela, de cette vie, qui va faire en sorte qu'on puisse tout un chacun mettre l'ambiance où les gens ils auront envie de se rencontrer, s'aimer. Mais si c'est ce que la pensée propose, si c'est tes désirs proposent et c'est ça que tu exprimes, alors il y aura des conflits dans le monde parce que tu veux quelque chose. Alors que la vie ne veut rien.